Un anniversaire, un magicien fait un show devant une assemblée de 15 enfants disposés en cercle autour de lui. Il devra choisir un volontaire et veut que chaque enfant ait les mêmes chances d'être choisi. Alors du coup, il envisage trois méthodes différentes qui sont décrites ici. Et on va essayer de l'aider à déterminer laquelle de ces méthodes est la plus juste, la plus équitable. Donc on va un peu étudier chacune de ces méthodes. Et à chaque fois, on verra si elle est équitable ou pas. Et pourquoi elle l'est pourquoi elle ne l'est pas. La chose la plus importante, c'est qu'il veut que chaque enfant ait les mêmes chances d'être choisi. Alors, pour la méthode 1, le magicien prépare des papiers numérotés de 1 à 100, 100 qu'il distribue un à un aux enfants, en commençant par celui dont c'est l'anniversaire et en se déplaçant dans le sens horaire. Il s'arrête lorsqu'il a distribué tous les papiers. Ensuite, il prend un générateur de nombres aléatoires, donc ça c'est important, c'est un générateur de nombres aléatoires, pour choisir un nombre entre 1 et 100. L'enfant qui possède le billet portant ce nombre est sélectionné. Alors, on va commencer par faire un petit dessin pour voir un petit peu mieux ce qui se passe. Donc, je vais dessiner l'assemblée. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, bon, il m'en manque un 15e, je vais le mettre là. Voilà, j'ai 15 enfants. Et au centre de cette assemblée se trouve le magicien, et donc il va commencer à distribuer les papiers. Alors on va dire que celui dont c'est l'anniversaire, c'est celui-ci. Donc il reçoit le papier numéro 1, et après on se déplace en sens horaire. Bon, ça c'est une indication qui n'a aucune importance, hein. je pense que ce serait exactement la même chose s'il se déplaçait dans le sens anti-horaire. Donc en tout cas, il se déplace dans le sens horaire. Donc il va donner à celui-là le, le papier numéro 2. Celui-ci va prendre le papier numéro 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et puis lui va avoir le papier numéro 15. Ensuite, il va continuer son tour puisqu'il y, y a 100 papiers en tout. Donc celui-ci qui avait reçu le numéro 1, il va recevoir aussi le numéro 16. Ensuite, celui-là, il va recevoir le numéro 17, et ainsi de suite. Chacun aura plusieurs, plusieurs papiers. Alors évidemment, pour que... Euh pour que ce soit équitable, il faut que chacun ait reçu le même nombre de papiers. Parce que sinon, euh, s'il y en a un qui a reçu trois papiers et l'autre deux, eh ben, évidemment, celui qui a reçu trois papiers a plus de chances d'être... Euh, il a reçu trois nombres différents, donc il aura plus de chances d'être choisi. Donc la première chose à faire pour voir si c'est si équitable, c'est de regarder si effectivement chaque enfant, est, est de cette manière-là, reçoit un nombre égal de papiers. Alors là, je crois que tu peux tout de suite voir la réponse. Hein. La réponse, c'est non. Il suffit de regarder si 100 est divisible par 15. Alors, ça, je crois que tu, tu vois tout de suite que ce n'est pas vrai. On va faire la division. Hein. Alors, dans 100, combien de fois je peux mettre 15 Eh bien, 15 fois 2, ça fait 30. 15 fois 4, ça fait donc 60. 15 fois 6, ça fait 90. Donc, là, on va pouvoir mettre seulement 6 fois 15. Donc, ça fait 90. Et donc il reste 100 moins 90, ça fait 10. Donc il restera 10, 10, 10 personnes. Ce qui veut dire qu'en fait, dans l'assemblée des 15 enfants, on va avoir tous les enfants auront euh, 6 tickets au moins, mais il y en aura 10 qui auront euh, un ticket en plus, qui auront 7 tickets. Et évidemment, ceux-là, ceux qui ont 7 tickets, ont plus de chances d'être sélectionnés, puisqu'ils ont 7 nombres, euh, alors que les autres n'en ont que 6. Donc ça, on voit tout de suite que malgré le fait qu'on prend un générateur de nombres aléatoires, ça, c'est une méthode qui n'est pas équitable. Pas équitable parce qu'on n'a pas distribué le, la, le même nombre de papiers, le même nombre de numéros à tous les enfants. Donc, euh, les enfants n'ont pas tous la même chance d'être sélectionnés. Voilà. Alors, on va regarder ce qui se passe dans le cas de la méthode 2. Alors, le magicien prépare des papiers numérotés de 1 à 75, cette fois-ci. Je vais prendre une autre couleur. De 1 à 75 qu'il distribue un aux enfants en commençant par celui dont c'est l'anniversaire et en se déplaçant dans le sens anti-horaire cette fois-ci. Bon, ça on a vu que ça ne changeait rien, hein, ça ne change rien du tout. Il s'arrête lorsqu'il a distribué tous les papiers, comme tout à l'heure. Ensuite, il prend un générateur de nombres aléatoires, encore une fois, pour choisir un nombre entre 1 et 75. L'enfant qui possède le billet portant ce nombre est sélectionné. Donc là, on a exactement, en fait, c'est exactement la même méthode que tout à l'heure, sauf que, euh, au lieu d'avoir 100 numéros, on n'en a que 75. Et effectivement, là, ça va devenir équitable, puisque euh, les, les enfants vont tous avoir le même nombre de tickets. Et ça, on peut le vérifier tout simplement en divisant 75 par 15. Voilà. Alors, euh, 15 fois 4, on avait dit que ça faisait 60, donc ça, c'est 5. 5 fois 15, ça fait exactement 75. Donc on a 75 moins 75, ça fait 0. Donc effectivement, dans ce cas de figure, quand on distribue, quand le magicien distribue ses 75 papiers, en fait, il va distribuer 5 numéros, 5, numéros, 5 papiers à chaque enfant. Donc finalement, chaque enfant va avoir les mêmes chances d'être sélectionné. Alors là, on peut dire que ça, c'est équitable. Cette méthode-là, elle est équitable. Et on voit bien là que. La seule différence avec tout à l'heure, c'est qu'on euh, a pris un multiple de 15, hein, et donc chaque enfant a exactement le même nombre de papiers, alors que tout à l'heure, on n'avait pas pris un multiple de 15, et donc les enfants n'avaient pas tous le même nombre de papiers. Voilà. Alors, maintenant, on va regarder la méthode 3. Le magicien prépare des papiers numérotés de 1 à 30. Donc ça c'est pour l'instant c'est bien parti parce que 30 papiers, 30 c'est un multiple de 15, donc là chaque, chaque enfant va avoir deux papiers si. Enfin on va voir comment ça se passe. Donc il distribue un à 1 ses papiers aux enfants, en commençant par celui dont c'est l'anniversaire et en se déplaçant dans le sens horaire. Ça, on avait vu que ça ne changeait rien. Donc euh, c'est exactement la, le même, la même procédure que tout à l'heure. Et là on a 30, 30 papiers, donc deux papiers par enfant, hein, puisqu'ils sont 15. Et on voit, en fait, ces deux méthodes-là, pour l'instant, sont, sont équitables, hein, de cette manière-là. Je n'ai pas regardé ce qui se passe après, parce qu'on a un multiple de 15 à chaque fois. Et en fait, il suffirait, pour que ça marche, de prendre 15 papiers. Hein, ça suffirait. Donc, on va voir ce qui se passe après. Il s'arrête lorsqu'il a distribué tous les papiers, d'accord Ensuite, il compte le nombre de fenêtres, le nombre de fenêtres de la pièce, et choisit comme volontaire l'enfant qui détient ce nombre. Ah Alors là, effectivement, c'est. Ça, ça change complètement de problématique puisqu'on n'a plus un générateur de nombres aléatoires, on a un nombre de fenêtres de la pièce. Alors évidemment, ça, il bon, y a des cas où ça pourrait marcher, hein, mais ça ne peut pas marcher forcément dans tous les cas puisque, ben, je sais pas, on peut très bien avoir une pièce où il y a trois fenêtres, et donc dans ces cas-là, seulement, seulement les trois premiers enfants auront une chance d'être sélectionnés et les autres n'en auront, auront aucune chance. Donc ça ne sera pas du tout équitable. Et puis de toute façon, ça dépend complètement de la pièce. Si par exemple c'est une pièce où il y a 15 fenêtres, pourquoi pas, on pourrait se dire que ça marche, mais de toute façon, ce n'est pas un nombre aléatoire. Le nombre de fenêtres de la pièce n'est pas un nombre aléatoire, donc ça, je vais le noter ici, ça, ce n'est pas toujours aléatoire. Donc on ne peut pas considérer que cette méthode-là est équitable. Alors je vais le noter ici, ça, c'est pas équitable. Voilà. Alors, quand on revient un peu en arrière, on voit que la première méthode n'est pas équitable parce que les enfants n'ont pas reçu le même nombre de, de billets. Et la troisième ne l'est pas parce que la manière de choisir le nombre sélectionné pas, ne se fait pas aléatoirement.